Eh bien, bonsoir. Nous sommes le 16 janvier. Il est actuellement. Il est quelle heure? Il est 23h20. Je suis un peu fatigué, mais en vrai, ça va. Je vais faire avec. Je regarde comment ça. Ah, j'ai oublié de m'allumer la lumière. Hop, mieux. Et aujourd'hui, nous allons continuer à jouer à ça. C'était quoi? Sable. Qu'est-ce que j'ai à dire? Je sais même plus. Oui, bon, on va jouer à Sable. Voilà. J'ai essayé de pas trop parler fort parce que Nelly est partie dormir. Elle travaille demain, la madame. Du coup, on va faire attention. Et voilà tout. La dernière fois, j'avais fait toute cette région-là, il me semble. Oui, c'est ça, j'avais fait cette région. Ici, il n'y avait rien au final, je crois. Hein. Il y avait une cascade. Oui, donc j'avais fait toute cette région-là. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? J'avais fait le masque de cartographe ainsi que le masque de. Le masque de quoi déjà? J'ai oublié. Le machiniste. Voilà. Donc là, on va continuer. Je sais pas dans quelle région que je vais aller. Attends, il me reste. Je pense que je vais aller dans cette région ici. Je suis pas encore allé. Il reste celle-ci là-haut aussi. On va voir un peu tout ce qu'il y a à faire dans tous ces coins-là, quoi. Oui, cet endroit-là, je l'avais fait. Et bah allons-y, j'ai envie de te dire. J'ai envie de vous dire même. Je pense que je vais passer par en haut. C'est sûrement mieux. Parce que là, il va y avoir une grande. Je sais pas, une montagne, quoi, un plateau. Bref. J'ai mon son monté, c'est bon. On est bien. J'ai bien le micro, j'ai l'enregistrement, j'ai tout, hein. Oui, ça va. Attends. Maintenant, on va récupérer le. Voilà. N'est-il pas magnifique? Je le trouve très beau ce truc, hein. Putain, je sais plus comment on conduit. Je me suis habitué à No Man's Sky à chaque fois, je vous le dis, hein, mais je m'habitue trop à No Man's Sky à chaque fois entre les parties. Qu'est-ce que j'ai à faire, par contre? Oui, ça, ok. D'autres terminaux, quatre logique, les œufs. Ok, donc pour l'instant, on a juste à avancer et voir ce qui se passe. On va où? On va tout droit, apparemment. Eh bien, allons-y, j'ai envie de te dire. Je l'ai déjà dit, ça. Ouais, j'ai déjà dit, je crois. Je me répète, je suis vieux, moi, maintenant, hein, vous savez. Ah merde, c'est pas du tout le bon endroit qu'il faut aller. Ok, c'est par là-bas. Mais bon, en ce moment, comme la dernière fois en fait, hein, je joue tous les jours quasiment en ce moment, je joue à No Man's Sky, tous les matins. Le matin quand je me réveille, je suis sur mon PC et je joue un peu à No Man's Sky. Quel jeu incroyable, sérieux, No Man's Sky. C'est une dinguerie, comment c'est bien. Et voilà, du coup, je m'habitue au contrôle, tout ça. Là, la partie que je suis en train de faire No Man's Sky, je suis jamais allé aussi loin dans le jeu. Parce que j'ai fait plusieurs parties, je me suis amusé hein, pas mal hein, sur No Man's Sky. Mais là, j'en suis à 20. 20h, 22h de jeu. C'est bon, cool, j'ai débloqué le mecha. Enfin, l'exonef Minotaur, là, qu'ils appellent ça. Plein de trucs, c'est trop cool. Je m'amuse vraiment sur No Man's Sky. Et voilà. Je pense qu'un jour, il faudrait que je me fasse un stream No Man's Sky pour de vrai. Où je commence No Man's Sky depuis zéro, encore une fois. Non, je me fais jamais chier sur No Man's Sky. Enfin bon. En vrai, je devrais peut-être essayer de monter ces trucs-là. Il y a grave moins qu'il y ait des trucs en haut, non? Genre si je descends là. Déjà, je suis où? Putain, c'est long en fait comme trajet. Ah, mais non, ok, laisse tomber. On va tenter. Mais je pense que je peux pas accéder vraiment en haut. Faut que je récolte encore des amis pour ça. Hein. Oui, non, ça marchera jamais. Je suis très peu convaincu. Ça vaut toujours le coup. Oula, ça vaut toujours tout le coup. Cela vaut toujours le coup de tenter, mais c'est mort. C'est absolument mort, hein? Dommage. Alors, bon, on est reparti du coup. Ok. Ouais, je vois pas grand-chose en loin. Hein. Normalement, les amis, j'arrive un peu à les voir de loin, mais là, je les vois pas du tout.
Non mais là c'est quoi ça en fait? C'est juste une grande montagne pour le bord de la map, c'est ça? Ça devrait être ça. Hein. On est un peu dans une grosse cuvette. Hein. C'est un peu l'inverse de Hyrule dans Breath of the Wild. Breath of the Wild, il n'y a que des canyons autour. Enfin là où il n'y a pas la mer, il y a des canyons. Là c'est l'inverse, il y a des grandes montagnes partout. Après ça je vous l'ai déjà dit, hein, c'est le truc que je peux reprocher au jeu, c'est que les voyages, il n'y a pas grand chose à faire à part avancer quoi. Je sais pas si on peut vraiment chercher d'autres trucs à faire. Ouais, non c'est vraiment que avancer et c'est tout quoi. Il n'y a pas grand chose entre les points. Ah, ça c'est la séparation qu'on voit sur la map. C'était quoi ça? Ah c'est juste du vent. Putain j'ai l'impression qu'il y avait un truc intéressant mais non c'était juste du vent. Du sable qui s'envole. Ok. Là faut que je trouve le cartographe. Pour trouver la map de cette région là. Déjà je vais enlever le point. Sinon c'est tout droit. J'espère qu'il est pas trop loin. Ce serait pas très pratique. Mais ouais là je vois que dalle donc... Oh! J'ai rien dit, je vois du rouge. C'est de l'eau ça? On dirait de l'eau. Mais il y a tout de même un gros truc. Et c'est quoi ça l'eau qui vole? Oh ça me fait peur les trucs qui volent comme ça. Hein. Ah non, c'est pas de l'eau. C'est juste un gros changement d'ambiance. Ah, le cartographe est là-bas. Attends, j'ai le marqué. Comment on descend? Hop. Alors, comment on passe en mode sensi? C'est LT. C'est là. Attends, je l'avais. Voilà, parfait. Ça fait quel endroit? Ah oui, c'est pas à côté non plus. Mais pas de soucis, pas de soucis. Et d'abord on fait ça. J'imagine que ça va être un terminal de sarine. On verra bien ce que c'est. Ah mais putain, là y a des crashs partout en fait, j'ai rien dit. C'est trop bizarre. Ah oui, je sais pas ce qui s'est passé dans le coin mais... ça allait pas fort. Hein. Pas monter là. Je trouve un truc qui ressemble à une entrée. Purement dans le coin. Ah quoique même pas en fait. Alors là. Atomic disposal. Ah bon. Oula. Parce que c'est... Je sais pas ce que c'est tout ce qui vole là-haut. C'est quoi, je vais rappeler mon truc, je vais foncer au cartographe. Je reviendrai ici si besoin après. Parce que là, c'est vraiment juste un cimetière de vaisseaux ici. Hein. C'est trop bizarre. Je comprends vraiment pas ce que c'est ici. Je crois que je peux peut-être voir avec le cartographe s'il y a des trucs intéressants ou quoi. Ah, ça marche pas ça. Alors, va falloir grimper là-dedans, j'imagine. Hop, hop, tu descends. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on emmenait Ellie faire du bruit, mais je suis pas sûr. Ok, le Zami, il est là. Et bah maintenant faut monter hein, pas le choix. Comment je suis censé monter là? Ah je peux même pas escalader ça?
Ah merde. Ah oui, donc non, c'est pas comme ça qu'il faut monter. Ok, je vois. Enfin, je pense que... Ah oui, d'accord, ok. Il y a vraiment un truc, une structure immense à monter, ok. Enfin, immense. Il y a un grand passage, quoi. Quand même bien fait de vérifier derrière. On est repassé sur... Sable Jackson. Pas mal. Allez. Par contre, il y a beaucoup de bruit ici. Pas de la ferraille. Nope. J'ai vraiment envie de comprendre ce que c'est le coin. Hein. Pour qu'il y ait tous les crashs comme ça. À moins que ce soit un grand vaisseau. Je sais pas. Parce qu'on avait déjà eu la baleine comme grand vaisseau. Je pense pas que ce soit un grand vaisseau, ça. Je pense que c'est plein de vaisseaux, c'est une flotte. On va voir, on va bien découvrir ce qui se cache ici. Ce qui s'est passé ici, même, j'ai envie de dire. Comment je sais monter là-haut, moi. Monter sur ça? Non. Alors là, je vais passer par là, peut-être, je sais pas. Ah, oh. Ah, est-ce que je me sacrifie et je descends, puis après je remonte? Parce que là, j'ai vu les amis quand même, hein, ça m'intéresse. Allez. Tant pis, on montera. C'était pas si long. Mais il y a des trucs plus importants. Ah, en plus, on est proche des 60. Comment je monte maintenant? Aïe, 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 aïe. Ouais, j'aurais peut-être pas dû descendre. Et on doit tous retaper. On peut pas passer là, hein. Oh! Quoique. Alors, peut-être. OMG. Je suis speedrunner professionnel. C'est faux, c'est absolument faux. Mais j'ai les strats. Par contre, j'ai pas la strat pour aller plus haut que ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Et maintenant que je suis là, je vais où, moi? Non, non, non. Non, ça va, ouf, j'ai eu trop peur. J'ai vraiment eu trop peur. Ah, je vais tenter ça, ça me semble le plus... le truc qui fait plus de sens à faire, là. Il y a sûrement un trajet par là. Oh, il y a un Zami en plus, là-haut. Alors. Ok, ça va, il est dispo, il est tranquille. J'ai peur que ce soit un peu chou d'y aller, mais ça va. Et ça fera 60. On pourra la réclamer encore de l'endurance. À la reine Zami.
Pas sûr d'où passer. Là, ça m'amène à rien d'aller là, j'ai l'impression. Monter encore plus. C'est un petit casse-tête, hein. Ok, 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 on est bon. Moi, ça me plaît tout ça. Non, ça va, j'ai peur que ce soit trop tôt comme ça. Ah, une échelle, parfait. C'est vraiment une ascension immense là pour aller voir rien. Je regarde pas trop partout là pour regarder s'il n'y a pas des trucs qui traînent, mais. J'ai bien envie juste d'arriver en haut moi. Ça commence à être long. Non, oula. Surtout ne pas tomber, s'il vous plaît, par pitié. C'est vraiment beau en vrai, hein. Vraiment j'adore. Hein. Je trouve le jeu trop trop beau. Ok. Là je mérite un truc d'alpiniste à ce niveau-là, même pas un truc de cartographe. Je salue l'AE cartographe. Étonnant que tu ne sois pas, que tu ne te sois pas blessé en montant jusqu'ici, il faut croire que tu es moins chétif que tu n'en as l'air. Comment ça que j'en ai l'air? Je lui demande de clarifier ce qu'elle vient de dire par là. Eh bien, tu es toute petite et malingre. Mais si tu as réussi à grimper jusqu'ici, c'est que tu dois avoir quelques muscles finalement. Bon, je crois que j'ai ma réponse. Je peux vous acheter une carte, s'il vous plaît. Très bien, faisons affaire. J'ai pas besoin de ton truc de cartographe, j'ai manqué de la carte. J'ai pas cette carrelle, tu te fous de moi? Oh non. On peut vendre? Oui. Ouf, ça va peut-être clutch un peu. Je vais tout vendre. Ça me fait 75. Là, je suis à 95. Ah. Oh, j'ai eu trop peur de pas avoir assez pour acheter ces trucs. Enfin, pour acheter la carte surtout. Faut que j'économise. Faut que je me fasse des nouvelles carrelles, là. La map. Ah oui, c'est le bordel ici. Comment tu veux que je reconnaisse les trucs intéressants ou pas? Il y a des trucs partout, il y a vraiment un gros truc qui s'est pété ici. Bon, j'allais voir les trucs où il y a du rouge peut-être, je sais pas. De sûr, faudra sûrement aller là. Là, absolument ici. Faut voir ce qui se trame ici. C'est quoi, je vais noter un peu tous ces trucs. J'ai pas envie de tous les noter en vrai. Parce que tous les noter, ça va faire beaucoup de points. On va voir. Déjà, je vais demander ce qu'il y a dans le coin. Yel me répond sans chercher à cacher son exaspération. Tu trouves au milieu du cimetière, des fois que ce ne soit pas évident. Merci. On trouve les rochers au geyser non loin, mais un conseil, évite de t'en approcher. Il y a des gens sympas au niveau des bassins de sable du nord-est. N'hésite pas à leur rendre visite. Bien alors, qu'est-ce qui t'amène? Ok. Merci. Attends, je regarde. J'ai une notification. Regarde ça de ce pas. Ah, Mocha qui a lancé un stream aussi. Ok. Ok, ok, ok. Alors, ah bah, là-bas, il y a un truc qui se passe par contre. Hein. On va essayer de pointer ça. C'est quoi sur la map? Ah, oh, c'est juste un truc là-dedans. Ok. Voilà, là-bas, ça, c'est... Je l'ai pointé, ça, d'accord. Oui. Je vois les anneaux déjà. Là où il y a un autre truc aussi. C'est quoi cet endroit que j'ai noté là? Ah. Je peux mettre un deuxième point? Ah! C'est ici apparemment. Ok. Bon, je l'avais pas vu sur la map ce truc.
Et ça, c'est quoi en face? Ça, ça doit être un des trucs comme ça. Je vais le noter, voir si ça apparaît. Ouais, c'est bien ça. Ok. Donc, faut que j'aille voir tous ces trucs-là, en fait. Donc, je vais les noter. Décal. Hop. Ok. C'est déjà un bon début. On va aller voir tout ça. Et de toute façon, pire, on peut se re-téléporter ici, hein, en l'air. Donc c'est pas trop mal. On va voir s'il n'y a pas d'autres trucs intéressants que j'arrive à voir d'ici. Rien de bien fou, j'ai l'impression. Donc on va commencer par le truc qu'on voit en bas, là. Même si j'aurais sûrement pu y accéder en escaladant, mais on va planer, hein, ça se fait. Ah ouais, là-bas, il y a d'autres trucs, je les vois. C'est quoi? Parce qu'en vrai, d'ici, j'arrive vraiment pas à voir ce que ça peut être. Je viens de capter que j'ai pas pensé à mettre mon téléphone en charge. Donc, dès que je suis posé, je mets mon téléphone en charge. Ce serait con de tomber à zéro maintenant. Enfin, j'ai pas besoin de mon téléphone en vrai pour le stream, mais c'est pratique. D'avoir le téléphone à côté. Allez, allez. Voilà. C'est branché. Maintenant, qu'est-ce que c'est ici? Quelqu'un. Ok, on dirait un peu comme s'il y avait un temple qui s'était fait casser la gueule. Sûrement lors d'un crash, hein, évidemment. Oh, bah attends, là-bas on dirait carrément une entrée pour quelque chose, non? On peut zoomer ou pas comme ça? Pas zoomer. Ah ah. Je vais essayer d'y aller quand même. Ok, attends. Déjà, celui-là. Ah, il s'enlève tout seul de la map. C'est déjà une bonne chose. Il y a clairement une entrée de temple ou quoi ici. C'est très intriguant. Ok. Avec des archères à l'entrée, mais qui pointent vers l'entrée, c'est bizarre ça. Généralement, les statues, tu les fais qui pointent vers l'extérieur, pas vers l'intérieur, non? Je sais pas. Oh, il y a des gens. Bien le bonjour. L'étrangère qui se tient auprès du feu se présente comme une certaine Laure. La célèbre fabuliste. Je reste quelques instants assise en compagnie de Laure. Au revoir, novice. D'accord, bah super. Vraiment juste ça? Ok, fun. Ah, c'est des grosses mains. Ah oui, d'accord, c'est vraiment une grosse statue. Rien derrière, rien à côté. Eh bien super, si à un moment j'ai besoin de rien, je reviendrai ici. Ces deux points, enfin j'en ai un là, attends. Un là, il n'y a rien là-dedans, tout le moins. Oh si, il y a clairement quelque chose ici. En fait, il y a plein de endroits où il y a l'air d'avoir des trucs. Et il faudrait que je réessaye de voir ça aussi à un moment. Oh, y a, je sais plus où donner de la tête. Hop. Est-ce qu'il vient à moi? Oui, quel bro. Quelle incroyable monture, sérieux. Ah non, tu vas pas faire ça, tu vas sauter. Et voilà. Là, normalement, ça devrait le faire pour arriver en haut.
Ils sont du mal à calculer, enfin, pas calculer, mais à... plus comment on dit. Bref, à me mettre les distances en tête. Ouais, que dalle ici. Hein. Il y a quelque chose ou pas? Non, je suis où moi? Je suis là. Donc ici, il n'y avait rien. Je vais aller voir en face. J'ai pas l'impression que ce soit beaucoup plus intéressant. En vrai, pas fou. Hein. Ça a l'air cassé aussi. Et là, tu vas me dire, il n'y a rien non plus. La zone m'intrigue trop. J'arrive pas à concevoir qu'il n'y ait rien du tout dans ces trucs. Dans cet endroit. On va tenter. Je pense pas que ce soit faisable. Avec un peu de chance, ça passe. Au pire, on essaie de se rabattre sur ces rebords-là si je tombe. On va sûrement se rabattre sur ces rebords-là, je vais pas vous mentir. Oh, quoique. OMG. À rien près. Ok. Reprends ton énergie, sable, ça va aller. Allez. Va le faire. Ok, ça va. Alors. Je sais que j'ai pas besoin de monter sur la partie blanche, mais c'est RP, on va dire. Ça fait un peu plus RP de passer par là. Il y a grave moins que ça indique un chemin à prendre en vrai. Je vais être tout à fait honnête. Il y a grave moins que ça indique un chemin. Je suis où moi là? Je suis là-haut. Et je saurais pas où pas, enfin d'où partir en fait si ça indique vraiment un chemin. Oh, je pourrais pas grimper, ce sera trop haut. Je vais essayer d'aller voir celui en face là, mais je pense pas qu'il y ait grand chose non plus. Ok. Ah, il prend sa vie à arriver aussi là. Que je veux juste pour faire 20 mètres quoi, mais c'est pas grave. Comme je dis, je pense pas qu'il y ait vraiment quelque chose d'intéressant là-haut, mais on va aller voir. S'il y a quelque chose, tant mieux, sinon tant pis, on ira voir les autres points que j'ai marqués. On va reprendre un peu de respiration. C'est bon. Quoique, est-ce que c'est vraiment bon? Peu convaincu, mais ça va. Ah, il est cassé aussi, quoi. Les trucs depuis tout à l'heure. Non, en vrai, il y a sûrement un truc à faire avec ces trucs-là, j'imagine. Mais, ouais. Oui, on va effacer ces points-là. On va aller à celui-là, voir ce que c'est ça. Et après, on ira voir le petit campement ou feu qu'il y a là-bas. Tu es où? S'il te plaît. Il aime trop s'éloigner de moi, ce truc. Ok, on va voir ce que c'est là-bas. C'est encore un petit temple, hein, mais celui-là il est pas en l'air. Je sais pas si ça change quelque chose en vrai.
Je sais pas. Je sais pas, je saurais pas dire s'il y a quelque chose à faire avec ça pour l'instant. Juste continuer. Hein. Là, il a l'air d'avoir quelque chose en tout cas, donc on va aller voir. Oula. Bonjour. Félix, récolteur de sel. Bienvenue dans la plaine Soldarine Novice. Que puis-je pour toi? Que faites-vous là? Les habitants d'Ecria adorent le sel, qu'il soit rose, bleu ou vert, alors on se tue à la tâche ici pour qu'ils puissent avoir ce qu'ils veulent. La plaine Soldarine est une région difficile, mais le boulot paie bien et au moins on est au calme ici. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça sur Miden. Ça, c'est sûr. Oula, j'ai éternué. Je pourrais avoir un peu de sel? Pourquoi as-tu besoin de sel? À l'état brut, il est inutilisable. Il faut le traiter pour qu'il soit mangeable. Oula. Oh, pardon. J'aurais peut-être dû me muter avant, mais j'ai pas pensé. Si tu veux goûter notre sel, tu vas devoir aller à Roujoul, à l'ouest. Écrit dans notre sel, on a un contrat d'exclusivité avec les marchands de la ville, alors impossible d'en vendre aux novices. Teinture, c'est bien. Tu as parcouru mal le chemin pour venir jusqu'ici, alors je vais te faire une fleur. Il y a quelque chose pour ton aérocycle là-bas. De rien, que puis-je faire pour toi? Bah, la prochaine, hein, écoute, merci. Merci pour rien, j'ai envie de te dire. Non, en vrai, la teinture est cool, mais bon. Voilà quoi. Non, ouais, bah. Attends, il y avait un truc rouge. Non, le rouge, il est au sud. Donc, on va aller ici. J'imagine que c'est ça, Rouge Houle. Ah non, Rouge Houle, c'est à l'ouest, il m'a dit. Ça, c'est l'est. Parce que c'est Rouge Houle, du coup. Ça, c'est quoi? Cœur atomique, Ecria. Moi, j'en ai aucune idée, parce que c'est Rouge Houle, du coup. C'est pas ça, non? Ça, c'est mon camp. Écoute. Ma foi. On va se casser. On va aller à l'espèce de ville qu'il y a là, j'imagine. Enfin, j'imagine que c'est une ville. Oula. Il y a plein de geysers ou de trucs dans le genre, j'ai l'impression, quand même. On va falloir faire attention. Des geysers, ok, c'est bien ça. Je sais pas ce que je fais ici, hein, du coup, par contre. Attends. Est-ce qu'on peut stepper ici? On peut stepper ici. Du coup, on va faire une petite pause pour aller au repère des amis. J'ai besoin d'endurance. Enfin, ce serait bien d'avoir de l'endurance en plus. Alors, c'est par là. Je sais pas sur quoi elle est montée, il y avait pas grand chose, mais ok. Admettons. Là, tu vois, je comprends qu'elle escalade, mais juste avant. Peau sûre, hein. Bonjour, madame Zami. Salut la reine des amis. La reine me demande si j'ai les œufs dont elle a besoin, je pense. Oh, Zami Honoré rapporte 62 amis. Heureux de te revoir, petite limace. Je ne suis pas trop sûr de ce que ça me plaise de me faire traiter de limace. Mais qui suis-je pour demander des comptes à une créature capable de projeter télépathiquement ses pensées à l'intérieur de mon cerveau? J'avoue. Deur est-elle capable de m'entendre quand je pense à des choses pareilles? Je lui tends les œufs, non sans une certaine hésitation. Allons, nous créer un petit limace. Tu nous rends un énorme service à me... À mes petits et à moi. Nous t'adorons. C'est bien gentil. Ah oui, du coup, il y a des amis qui ont poussé derrière aussi. Ils étaient pas là la dernière fois, ceux-là. Et là, je vais... encore avoir de l'endurance, normalement. Oui. Voilà.
Maintenant, que veut-elle? Encore 20 œufs, j'imagine. Un bruit de satisfaction vibre dans tout le corps de la reine, secouant légèrement la tour qu'elle soutient et faisant tomber la poussière dont celle-ci est couverte. 20 de plus et ce sera parfait, si tu veux bien. Ouais. On fera ça si on en trouve. Hein. On retourne là-bas. Ah, les. Bah merde. Ah, c'est con ça. Ok, je pensais pas que ça me téléporterait directement ici, mais d'accord. Avant que j'aie le temps de le saluer, l'inconnu fait d'étranges bruits de respiration, expirant en pinçant les lèvres. Yel passe la main sur l'arrière de son crâne et lève un instant les yeux au ciel avant de reporter son attention sur moi en secouant la tête. Je n'ai pas l'habitude de voir des chasseurs dans cet état. D'habitude, ils font montre d'un calme olympien. Novice! Je sens bien qu'elle essaie de se calmer, mais en vain. Pourrais-tu m'aider? Je m'appelle Zubi. Cela fait quelque temps que je suis ici. Depuis qu'il a pris l'idée à mon compagnon de voyage, je précise, de grimper chercher des œufs d'oiseaux. Il y a des oiseaux, des œufs là-haut? Oui, bien sûr. Mais tu sais ce qu'il y a d'autre là-haut? Dylan. Ok, Zubi semble se fixer. Je déteste devoir l'admettre, mais je n'aime pas trop les hauteurs. D'aucuns diraient sans doute même que j'en ai un peu peur, voire beaucoup. Si tu pouvais monter là-haut pour dire à Dylan que je vais le tuer quand il redescendra, ça me rendrait vraiment service. Je réponds à Zubi que je serai heureuse de l'aider et je me prépare à grimper. Dis au revoir à Zubi. Ok. Donc on va grimper. Et le truc c'est que je sais même pas comment je suis arrivé là du coup. Je ne connais pas le chemin. On va juste grimper, on verra où ça nous mène. Hein. Je veux dire... Ça nous a jamais fait... Oh bah tiens, salut. Un de plus. On a besoin de 80 en tout, je crois. Ouais, c'est ça. Vu qu'il en faut 20 encore, ça fera 80. Oh non, c'est un labyrinthe. Donc ça va être chiant. Oh, c'est quoi? Oh. Bah. Je peux m'approcher, discretos. Ah ah. Pulpe de chaille rigelure. Qui sont pas traduits le shy en timide, mais ça devrait être ça. Ah là, je suis dehors déjà. Ok, j'ai dû arriver par là, je pense, du coup, c'est ça. Ce serait pas étonnant. Oui, c'est ça. Hein. Ça devrait être ça. Par contre, il neige là où je rêve. J'ai l'impression qu'il neige. À fond. Bah, on va se cacher, on va récupérer ça. Bam! Bam! Let's go. Ok, bah on va passer là, du coup, et passer par un autre chemin. Parce que ça n'a pas l'air d'être par ici. On va essayer de choper ça encore. Je pense que je peux le revendre après, hein, j'imagine. Putain, mais il y a des trajets, il y a des chemins partout, là. J'ai l'impression que j'ai des problèmes de son, hein, moi, sur ce jeu. Hein, je... Pour être honnête, j'ai l'impression qu'il y a des sons qui se coupent à chaque fois. Je sais pas trop d'où ça sort, ni comment ça se fait, mais c'est... C'est pas cool. Je vais pas vous mentir, c'est pas le plus fun. Attends, mais il est grimpé par où, l'autre? J'ai pas grimpé là, moi. On va essayer de passer par là. Déjà, Dylan. Comment ça s'appelle Dylan? Désolé pour les Dylan, hein, mais bon, voilà. Je connais des Dylan, moi. Ouais, j'en connais, mais pas des gens proches. Donc ça va, j'ai le droit de m'a parler des Dylan. Allez. Alors, ça merci. Mais là, je vais où? Je peux aller en face, tu crois? Ça descend vite. Oh, il y a quelque chose là. Ok. Comme l'impression que c'était par là que je devais arriver. Attends, mais là c'est là j'étais où j'étais tout à l'heure. Mais oui, putain, je suis trop con.
Merci. Pas dire que je suis un peu perdu, mais je suis un peu perdu quand même. Il peut me projeter en l'air, ça? Oh, let's go. Pas te réactiver toi s'il te plaît. Juste maintenant là, vite fait. Non, ok. S'il te plaît. Il est méchant avec. Il est méchant avec moi ce jeu. Alors, je suis désolé, mais il est méchant avec moi juste. Hein. Allez ta mère. J'ai grimpé. Hein. Non, ça a l'air de s'activer bientôt là, non? Je sais pas. Oui. C'est parti. Ta mère. Ok, ça a l'air d'être là. Je skip un peu tout. J'ai l'impression. Ok. Ça devrait fonctionner. Sa mère, ça fonctionne très bien même. Incroyable. Et c'est un alpiniste. C'est une vie sacrée vue, pas vrai? Dylan a l'air de se trouver là. Regarde brièvement l'horizon, et je dois bien reconnaître que le paysage est splendide. Qu'est-ce que vous faites là? Il éclate de rire. À ton avis, j'ai vu qu'à Dylan que The Bee m'a prié de monter jusque là, et de lui demander de redescendre afin qu'il puisse poursuivre leur route à une altitude plus raisonnable. Il secoue la tête. Décidément, The Bee ne changera jamais. Regarde-moi ça, et dis-moi que tu penses vraiment que je devrais redescendre. J'avoue que c'est stylé. Je vais pas vous mentir, c'est très stylé. Tu es comme cet oiseau est splendide. On appelle ça un coureuse. Tu connais? Il est originaire de la plaine Soldarine. On raconte que c'est un descendant des créatures qui sont arrivées à bord de la baleine. Cette femelle a plusieurs œufs qui n'attendent que moi. Dylan hoche la tête, visiblement déterminé. Mon seul problème, c'est de trouver comment les récupérer. Comment procéder? Je lui demande comment il pense qu'il est possible de les récupérer après une telle ascension. Selon moi, le meilleur moyen consiste à effrayer la mer à l'aide de quelque chose de brillant, puis s'emparer des œufs dès qu'elle sera partie. Tu collectionnes les masques, n'est-ce pas? Tu n'en aurais pas un en métal qui serait assez brillant des fois? Je lui dis que je vais réfléchir et que je l'aiderai si je peux. Il me remercie et recommence à observer les oiseaux. Je lui dis au revoir. Je crois que j'ai le masque de machiniste, il est en métal. Hein. Si j'ai pas de bêtises. Je pense, hein. Je lui dis au revoir, comment ça? C'est pas ça que tu voulais? Bah attends, elle me dit quoi la quête du coup? Je vais devoir faire fuir la mère coureuse si je veux pouvoir lui voler ses œufs. D'après Yann, ses oiseaux ont peur des masques brillants. Bah je voulais essayer de monter comme ça du coup. Ça, ah j'allais dire ça me paraît impossible, mais il y a un geyser ici, ça devrait aller. Là je suis habillé en full machiniste hein, au final. Allez, ouh, c'est parti. Il faudrait déjà voir son camp aussi en dessous de là où il est lui. Partir s'il te plaît. Madame l'oiseau. T'as peur? T'as peur? Merci. Trop facile. Allez mon pote. J'essaie de ne pas avoir l'air trop fatigué alors que je tends les œufs à Dylan qui s'en fout de joie. Ça alors, je déteste devoir être... Oula, je recommence. Ça alors, je déteste devoir le reconnaître, mais tu es peut-être une meilleure grimpeuse que moi. En tout cas, tu es plus doué pour faire peur aux oiseaux, ça c'est sûr. Les oiseaux tremblent devant moi. J'imagine que je ferais bien de retourner voir The Bee. Mais avant que j'y aille, tu mérites ceci. La façon dont tu grimpes, je crois n'avoir jamais vu quelqu'un d'aussi doué. Pas chez les amateurs en tout cas. Dylan me tend un signe d'alpiniste. Au plaisir, novice, et merci. Je lui dis au revoir. Ok. Moi, juste aller en dessous. Il n'y avait rien.
Là, il y a quelque chose derrière au moins, j'imagine. Juste, par contre, je pense que je vais changer mon masque maintenant. Ok. Et en vrai, je vais changer de tenue en vrai. Hein. Je dis beaucoup en vrai. C'est pas mal ça en vrai. Je vais encore dire en vrai, ça m'énerve. Ça, il y a un petit style, je trouve. Qu'est-ce qui irait bien avec? Ça, c'est pas mal. Non, ça dépasse. Ça aussi, ça dépasse, oui. C'est chiant quand ça dépasse comme ça. Allez. Il n'y a pas grand-chose en fait ici. Ok. Pardon. Oui, c'est bon. Maintenant, j'ai de quoi faire le masque d'alpiniste aussi, c'est vrai. Insigne 3. Ok. Ah, j'ai plus qu'à redescendre hein, maintenant en fait au final. Non mais j'avais pas vu ça, c'est stylé ici, what the fuck. Oh salut. Quel est cet endroit? Ces bains sont anciens, je n'avais encore jamais entendu parler d'eux. Il semble utiliser l'eau chaude qui circule sous ces rochers. Puis imagine transformer ça en bain public, des gens devaient venir de loin pour en profiter. Et qui êtes-vous? Je m'appelle Rachel, je suis une tisplante. Je n'ai jamais entendu parler des tisplantes, et ce ne serait pas... Quoi? Et ce ne serait pas un armature dans cette boule en verre? Quelle boule en verre? Ah oui. Ok. Nous nous occupons des plantes, qu'il s'agisse de chailles rigevures qui se battent pour survivre dans le désert ou de champignons mélancoliques poussant dans un jardin d'agrément. Car sans végétation, toute vie cesserait d'exister. Les champignons ne sont pas de la végétation, faut le savoir. Je suis venu ici avec The Bill et l'alpiniste et je crois bien que je vais rester. Cet endroit a quelque chose de spécial, une flore inhabituelle qui pourrait se développer ici. Il n'y a qu'à voir ce qui y pousse. D'accord. Bah à la prochaine. Hein. Cool, cool, cool. Et sinon, il y a quoi ici? Il y a rien. Voilà, là il y a des trucs. Là aussi. Ok. C'est le moment. C'est mon moment d'être discret et de tout récupérer. Ok. Et ça peut sûrement se revendre après, je vais pas vous mentir. Comme ça, j'ai quelques carrels pour acheter une carte encore après. Oh, je vois le truc en face. Let's go. Il est où? Vous l'entendez vous aussi le son bugué, je pense. Hein. Je sais pas pourquoi il bug comme ça. Hein. Son, y a rien de bien fou à gérer. Hein. Et c'est pas la qualité, j'ai tout baissé. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ouais, bah pourquoi il me dit ça? Je suis sur l'aérocycle en ce moment même. Attends, je vais commencer par celui-là. Comme ça on fait tout d'un coup, hein, histoire de... Pas besoin de retourner en arrière. Et de... Deux? Et trois. Et le quatrième. Ok, et ça sera un autre anneau à rapporter au temple machin là-bas. Temple mystérieux, je crois que ça s'appelait. Ok. Il faut pas que j'oublie de monter en haut parce que en haut, il y a certainement un Zami comme à chaque fois. Enfin, je dis à chaque fois, je l'ai vu que deux fois, hein, mais. Les deux dernières fois, il y avait un ami en tout cas.
Ah merde, je sais pas si je pourrais vu qu'il y a un petit rebord. On va voir. On va tenter. Ça passe, c'est bon. Là, on va tout reprendre. Tout va faire reprendre toute endurance. Ok. J'ai raté mon saut, c'est dommage, mais c'est pas grave. Par contre, en vrai, le masque Ibexi, je le trouve grave stylé. Je me dis que je pourrais peut-être essayer de me l'imprimer en 3D, en vrai. Pourquoi pas? Ça peut être une belle conclusion à la fin, quand j'aurai fini le jeu. J'y réfléchis. Faudra que je vois. Faudra que je vois déjà si quelqu'un a déjà fait en 3D, parce que je vais peut-être pas m'amuser à le faire. Quoique après, peut-être qu'il est récupérable dans les fichiers du jeu quelque part, je sais pas. Ah, ça se tente. Faudrait que je vois si je peux faire ça. Parce que s'il est récupérable dans les fichiers, je le récupère en direct. Ok. Anneau Icarique. Ok. Donc ça, on a fait ce qu'on voulait faire ici. Putain. Bah maintenant, faut que je tourne ici. Hein. Donc je pense que je vais retourner ici. Et je vais me rapprocher comme ça. Il y a certainement juste une entrée que j'avais pas vue en dessus. Mais en vrai, je suis sûr qu'il y a un truc à faire avec ces trucs-là, mais je comprends pas. Il est où? Ah. En vrai, j'aurais peut-être dû vérifier s'il n'y a pas un problème de son sur mon jeu. Genre, regardons s'il n'y a pas de gens qui ont fait des posts sur Reddit ou sur Steam, voire pour en parler. Parce que ce serait pas impossible, hein, que ce soit un problème courant ou quoi. Alors. Ah mais putain, oui, il y a un gros trou sur le côté, là, je l'avais pas vu tout à l'heure. Oh, le con. Aïe, non. Je fais d'un peu. Ok. Comment je l'avais pas vu ce trou là? Pilier de Trélic. Ok, donc là je peux pas rentrer encore. Voire pas du tout. Ferraille toujours bien. Faudrait que j'aille la vendre d'ailleurs ma ferraille. Il y a tout ici, OMG. C'est bien ça. Ok. Oh, encore de la ferraille, 5. C'est parfait. Non, bah non. Enfin, sable. S'il te plaît. Merci. Ok. Je vois rien. Non, non, toujours pas sable. Vraiment, toujours pas. Ah là, putain, quel enfer. Ok. Je me suis dit peut-être qu'il y avait de la ferraille qui traînait, mais non. C'est un bon endroit d'en mettre, hein, en vrai, ici. Hein. Je suis désolé, mais... Bon, ok, ok. Il me donne mon pitos, je suis content. Ok. C'est ici que le fun commence. Merci bien. Ça, j'imagine sans raccourci. Sortir. Tout à fait.
Maintenant. Qu'est-ce qu'on a? Où faut-on aller? Et ici, il y a une batterie qui alimente ça là-haut, j'imagine. Tout à fait. Si j'alimente ça, ça alimentait ça. Une question, je suis pas sûr. C'est bien ça. Ok, je vois. Donc, faut aller là. Pour mettre la pile dans la porte. Et là-haut, il y a une autre pile. Qui sera sûrement mise dans pour ça, ici. Ok. Ok. Plus haut. C'est bizarre qu'il y ait une corniche qui aille jusqu'ici, là. Mais pour rien. Attends, bah je peux pas monter au-dessus de ça? Sur le... Non, je peux pas, ok, dommage. Oula, j'ai pas couru, là. Ma foi. En fait, j'aurais peut-être dû attendre que le truc revienne, mais c'est pas grave. En vrai, je peux faire ça, c'est suffisant. Et du coup, je comprends pas trop à quoi il sert celui du milieu. Est-ce que c'est pour montrer comme ça? Je sais pas. Je viens de voir qu'il y a une échelle. Peut-être plus pratique que de faire du parcours comme j'étais en train de faire. Ah, lui, il est plus haut, par contre. Et je sais pas comment monter dessus, alors. J'arrive par où? Moi, je suis arrivé par en haut. J'ai fait rail, j'avais pas vu ça. Même là, il y a une vent. Je suis pas arrivé par celle-là, quand même. Si ? Non. Moi, je suis arrivé par là-haut, j'en sais rien. J'entends un truc. On va tenter quelque chose. Faire tout le chemin, hein. Mais juste pour essayer d'arriver un peu plus haut du coup. Voilà, on escalade pas le tuyau cette fois, enfin pas le tuyau mais l'entrée. Il va passer par là. Oui. Non mais non, putain, sable, s'il te plaît. En vrai, la tenue que j'ai mise là, elle me fait rire parce qu'il y a du bruit. Enfin, elle me fait rire. J'aime bien, à chaque fois que j'avance, ça cling, 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 cling. Je trouve ça pas mal. Ah si, j'arrive vraiment par le trou dans le mur là. Je pensais pas que j'arrivais là, en fait. Ouais, du coup, non, ça m'aide pas du tout. Je pensais que j'arrivais par là, au moins. Ok. Non, là, je l'atteindrai jamais en sautant ce truc. Attention. Ah non. Ok. Je comprends. Lui, ça va, il est pas mal placé là, du coup, j'ai l'impression.
ça devrait être ok. Va tenter quelque chose. Non, je m'en fous d'où il est placé celui-là, je suis con. Vu que là, j'ai juste placé celui-là d'abord. Là, ça devrait être ok, voilà. Quoique peut-être un peu loin, mais on verra. On verra. Ah, ça roule pas, c'est dommage. Je pensais que ça allait rouler, j'ai oublié. Allez. Hop. Là, le faire. On a juste plus qu'à attendre qu'il revienne ici. Ah, c'est un coffre qu'il y avait là, ok. Allez, mon pote. Non. 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 Oui. J'ai eu peur. En promettant ça. 20 carrels, pourquoi pas. Et là, ça devrait le faire, ça. Hop. Tout se passe bien. Ouvrir la porte du pilier de Trélic. Et avec Sarine. D'abord, il n'y a pas de la ferraille qui traîne chez toi, Sarine? Non, sérieux? Sérieux? Alors là, je tombe des nues. Je dis bonjour à Sarine. Tu as des messages non lus, Sable. Voici tes messages non lus. Enregistrement 5. Je tape du pied avec anxiété pendant que le poste de travail s'allume. Communication à longue portée sont toujours perturbées. L'officier Ellie souhaite recommencer à porter toute son attention sur le fait de protéger les réacteurs contre l'interférence. Accordé. Sarine, je veux que tu te concentres sur les communications. Essaie de les remettre en marche sans te faire éjecter du système. Oui, capitaine. Tant qu'on y est, autant essayer de mettre les terraformeurs en état de marche, pas vrai? Deacon, si vous ne la fermez pas au sujet des terraformeurs, il ne finit pas sa phrase, préférant changer de sujet plutôt que de formuler ce qui ressemble fort à une menace. Si vous aviez su la fermer, nous serions toujours en orbite à négocier notre atterrissage avec ces planètes maudites. L'air n'y est même pas respirable et raison de plus pour lancer la terraformation sans attendre. What? Wow, je fatigue en fait là, les mots ne sortent pas. Raison de plus pour lancer la terraformation sans attendre. Où voulez-vous en venir, capitaine? Écoutez-moi, Deacon, ce n'est pas possible. L'atterrissage les a salement amochés et le bouclier protégeant leur cœur radioactif est complètement mort. Si nous les utilisons, ils diffuseront des radiations mortelles qui resteront dans l'atmosphère pendant 100 années terrestres. Ce n'est pas une option pour nous, Deacon. Qui a dit que je voulais le faire pour nous? L'enregistrement s'arrête là. Un pas de message. Ok. Je crois que je commence à comprendre. Je pense que les Ibexi et tous les gens qui vivent ici sont des descendants, on va dire, de ces gens qui se sont crashés, j'imagine. Et que le truc de terraformation, c'était pas pour les gens qui étaient sur le vaisseau, mais justement pour leur descendance. Pour que l'espèce puisse prospérer. J'imagine un truc comme ça. Ça me semble pas impossible, ça me semble ça illogique surtout. Par contre ici, il y a vraiment un truc qui me perturbe avec ces merdes, hein, avec tout ça là. Moi je sais pas. Hein. Mais je crois qu'on va dire non et qu'on va aller au sud. Hein. On va se rendre ici, tour des vents. Et on va aller à la nouvelle... Enfin, dernière zone en fait, j'ai l'impression. Parce que là, j'ai tout fini ici. Hein. Ouais. C'est vraiment la dernière zone. Ça a l'air. Je vois pas ce que j'aurais pu manquer dans les autres endroits. Non, vraiment, je sais pas. Peut-être aller au temple. C'est quoi? Cube de Campbell. C'est quoi ça? Ah non, c'est un vaisseau. Non, my bad, j'ai envie. Où le temple?
C'est ça, temple mystérieux. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ok. Là-bas, on a deux arches à poser, enfin deux cercles, je sais pas comment ils appellent ça, anneaux, je crois, des anneaux. Il n'y en a pas un qui est activé la dernière fois ici? Justement parce que j'en avais trouvé un, je sais plus. Je suis persuadé qu'il y en avait un activé. Et du coup, il y en a avoir 6 à trouver en tout. Ah! Il se passe des choses. C'est quoi? Ah, faut. Pose donc. Je n'ai pas d'autres, hein. Non. Il y en a 6. En vrai, 6. Si je réfléchis 2 secondes, ça m'indiquerait 2 par. Ouais, non, du coup. Ça m'indiquerait 2. Enfin, 1 par région, si je dis pas de bêtises. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 régions. Hors ça. Hors celle du début. Du coup, j'en ai trouvé un là-haut. J'en ai trouvé un. Ici, enfin dans le coin là, de truc. Il était où celui-ci? Il était au sud là, il était là. Du coup j'en ai trouvé un ici. Je n'ai pas trouvé dans cette région des trucs comme ça. De toute façon logique, j'imagine qu'il y en a comme ça, un dans chaque, tu vois. Donc faut trouver juste un truc rouge. Dans un endroit où je suis pas trop allé. C'est ça, non? Ça pourrait être ça. Hein. Même si ça sent pas assez rouge. Que. La région est quand même pas mal rouge par elle-même. J'essaie de scruter un peu tout partout. Non, hein, non, ça a pas l'air d'être ça en vrai. Hein. Est-ce que c'est le même rouge? Ça a l'air d'être le même rouge. Attends, j'ai retrouvé celui que j'avais déjà vu. Il était où? Là. Ouais, il est pas régulier non plus. En vrai, ça peut être n'importe où ici. Ça, quel est ça le problème sur cette map? Ça peut vraiment être n'importe où. Ça se capte pas bien. Ouais, on verra celle-là plus tard. J'essaie de regarder où. Sur cette map-là. Ah bah oui, ici. Ici, en plus, il y a Dune Boy à côté. On va faire ça. Ça m'en donnera un de plus. Après, je ferai dans celui dans la région dans laquelle je vais maintenant. Et après, je ferai celui de la région que je connais pas. Enfin, que je connais pas. Mais t'es sérieux? Un truc visible comme ça, là, je l'ai pas fait, tu te fous de ma gueule? Comment je suis arrivé à cette région-là sans le voir? Le nez qui me gratte, c'est horrible. Vraiment, là, je comprends pas comment je l'ai pas vu. Hein. Genre, il était pas caché du tout, quoi. Le vaisseau est là, le truc est là, les arches sont là. Ça rame un peu, hein. Je comprends pas pourquoi. C'est vraiment pas le jeu le plus demandant, quoi. Ok. Et là, au-dessus, on peut aussi récupérer un Zami normalement. Mais du coup, l'autre région, ça va être trop chiant vu qu'elle est toute rouge. Allez. Oh, je me suis envoyé. Je me suis vraiment envolé, ça me fume. Et endurance un peu.
J'ai raté mon petit saut. J'aime bien faire un petit saut avant d'escalader, ça marche bien. Mais j'ai raté. Tant pis. Oula non. Je vais passer d'endurance si je fais ça. Pardon, je me suis pas économisé. Là c'est bon. Vraiment que j'accroche ce truc là, ce tableau là. Je l'ai toujours pas fait. J'ai voulu le faire une fois. Mais j'ai mal pris les mesures. Et du coup mes deux vis elles étaient pas bien mises. Elles étaient trop éloignées. Mais genre vraiment de... Genre un demi centimètre, c'était horrible. J'ai dû boucher mes trous, le temps que je le refasse plus tard. Faudrait que je le fasse, faudrait que je m'y mette. En plus j'ai un miroir accroché aussi, trop de trucs à faire. Le miroir ça me fait trop peur à l'accrocher, j'ai trop peur de le péter. Attends, on avait vraiment pas de luminosité ici, on est en noir et blanc. Ok, donc celui-là c'est récupéré. Donc il va me rester cette région là et la région que j'ai pas encore vue. J'ai envie de trouver ici, hein. J'ai envie, hein. Bah ça, non, ça a pas l'air d'être ça. Il y a tellement d'endroits où ça pourrait être. C'est stressant. En vrai, il faudrait que je mette en hauteur. Il n'y a pas des trucs. Ah si, déjà, le cartographe, il est en hauteur. Du coup, peut-être de chez lui, je peux peut-être essayer de trouver le truc en question. Eh, pas con le mec. A voir ça. S'il te plaît. Il est long ce chargement. Ok. Ok, donc là je cherche vraiment un truc spécifique. Je peux monter tout en haut? Ça a l'air faisable. Mais où? Oh bah! Incre! Incroyable découverte. Alors attends, on est où? Ok. On va regarder attentivement tout ce qui se trouve autour. Ça là-bas c'est écrit à je crois la lumière. Ça là-bas c'est un autre vaisseau. Ouais, j'ai pas l'impression de voir ce que je veux trouver. Hein. Là, je regarde en quel sens, je regarde vers là. Puis de la pivoleuse, ok. En vrai, je peux essayer d'aller au-dessus de la baleine hein, et voir si je vois quelque chose. Je sais plus si on peut aller en haut de la baleine. Je sais plus comment c'est. Je crois que c'est un peu un bordel à la baleine. Hein. Parce que j'ai bien envie de savoir ce qu'il y a là-bas, moi. Ouais, non, c'est le bordel, ici. Je pense pas pouvoir monter de fou là-haut. On va faire le tour. Ouais, non, on peut pas monter là-haut. Moi je suis arrivé par le sud hein, ici je crois. Non je suis arrivé par là. Parce que j'avais vu le dirigeable, j'étais arrivé par là. Ouais donc il y a moins que... J'avais fait comment? J'avais fait dans quel sens les zones? Je sais même plus dans quel sens j'ai fait tout ça. La baleine, j'étais venu en dernier ici donc... Ah, ce serait pas étonnant que ce soit ça en fait. Que ce soit dans le coin, je sais pas. On va aller vers là. On va
va aller ici même, j'ai envie de te dire. C'est où? C'est là-bas. Il est où? Ah, il est là. Ok. Est-ce que j'aurais bien collé l'endroit? On va voir ça de suite. D'ici, ça a pas l'air trop ça. Hein. C'est clairement pas ça du coup. Fuck. Dommage. Est-ce que je vais faire un tour au sud quand même, histoire de... Mais là, je vois pas que ça pourrait être ici. Putain, c'est trop chiant. C'est trop chiant, je vois pas où ça peut être. C'est trop tout rouge. Il y a trop de rouge ici. Je peux pas monter plus haut ici, je peux pas monter sur ça. Ah, bof. Alors si je peux pas monter. Ah bon. Bon, je peux pas monter. Dommage. J'ai oublié d'enlever le point au sud. Oui, j'ai pas enlevé le point. Aller dans le coin, non mais dans le coin j'aurais vu avec le cartographe. Faudrait voir dans le coin peut-être, je sais pas. Là-bas c'est le clan des... Enfin le camp des cloches. Ça là-bas. Il y a un truc tout là-bas. Je sais pas si vous voyez. C'est quoi? Ah, bah c'est un truc que je suis allé. Ah, ok, c'est le cœur atomique, ok. Oui, c'est de voir au cœur atomique, c'est pas dans le coin aussi, en vrai. Je vais quand même faire un petit tour ici. Je serais pas grandement étonné que ce soit dans le coin. Que j'ai pas fouillé du tout ici. Ça a pas l'air très concluant. Hein. Quoi, on va aller au cœur atomique. Je crois que je peux le grimper en plus le cœur atomique si je dis pas de bêtises. Je dis sûrement des bêtises, hein, c'est un truc en métal. Et en plus il y a plein de petits rebords. Pas grimpable. Mais ça m'empêche pas de faire le tour. Et de regarder tout ce qu'il y a. Que le câble il est grimpable, enfin le câble, le tuyau est grimpable. Oh, bah, j'aime pas quand ça fait ça, quand ça glisse comme de la merde. Putain, c'est vrai, faudrait que j'aille à un autre. Il y a un autre endroit où il y a les 7 machins là. Je sais plus comment on appelle ça, mais où tu peux essayer de grimper à un endroit. Je crois que je réessaye de faire ça. Je sais pas du tout si vous voyez ce que je veux dire, hein, mais c'est pas grave au pire. C'était pas aussi grave. Alors.
Il y a officiellement que dalle, hein. Trop grave, cet endroit. J'ai vraiment du mal à voir où ça peut être, en fait. Et pour tous les autres trucs, c'est un point rouge par rapport au reste. Et là, c'est que rouge. Et là, tu vois, c'est spécial. C'est pas le même rouge, hein. C'est pas un rouge exactement pareil. Le truc, c'est que bah, je sais pas différencier deux fois ce point, quoi. C'est clairement le même rouge ici. Hein. C'est le même rouge que je vois partout. Hein. Non, le bâtard, il est là. C'est ça. Je pense que c'est ça. Je pense bien que c'est ça. Je crois que le rouge, il était vraiment pas exactement pareil. J'espère, putain. Vraiment, si c'est ça, je suis heureux si c'est ça. Vous le voyez, hein. Vous le voyez. À quel point je suis aveugle que j'aurais sûrement pu le voir tout à l'heure. Hey, tant pis, c'est pas si grave. Il est ouf. Qui veut pas venir, tant pis. Ah mais non, j'en ai besoin en plus. Et du coup, c'est bien ce que j'avais marqué sur la map, hein, je pense. Hein. C'est très clairement ça. Hop, c'est celle-là la première. À trouver dans la dernière région que je vais aller voir tout de suite. Enfin, tout de suite après ça. C'est un peu fort le son, hein, quand même. Allez. Je me suis pas bien envoyé, c'est pas grave. Oula, ça a fonctionné? Oui, ça a fonctionné, ça va. J'ai pas pris le chemin optimal, je vais pas vous mentir. Ah oui, non, c'était très très proche de la fin, ça. Oula. Les... Oh, c'est drôle, ça. Attends. Ça, c'est pas un truc fait exprès, ok. C'était quand même un peu drôle. Oula. Ça aussi, c'est pas fait exprès. Okay, ça va nous faire combien de amis, ça? Non, c'est pas le bonne touche. Ça va nous faire 67 amis. Il y a des textures qui s'amusent un peu à disparaître, hein. C'est un peu casse-couille. Heureusement que le jeu est bien. Ah, je peux afficher ça en grimpant. Let's go. Oh, il y a un coffre aussi. Monument poussiéreux. Ok. Je voulais que j'aille voir un peu à quoi ressemblent les teintures. Hop là.
J'ai pas réussi à le déclencher à temps. Ça s'est déclenché tout seul. Et voilà. Du coup, je vais retourner au temple vite fait. Comme ça, je dépose les nouveaux que j'ai et je poserai le dernier après. Ah, les le jeu. Les chargements, ils sont longs aussi, putain. Alors. C'est par là. Lui parler à lui ou pas? Sab, qu'est-ce que tu as fait? On dirait que j'ai créé un pilier. Ah, ok, oui. Ah. Ok, c'est tout. Tu veux un autre pilier? Vas-y. Bonk. C'est pas le même logo en plus. Est-ce qu'il me dit quelque chose d'autre pour celui-là? Magnifique, excellent. L'excitation de Fear est contagieuse d'un seul coup. J'ai l'impression que nous faisons quelque chose de très important. Je progresse bien sur la première inscription. Elle évoque quelque chose comme une victoire ou peut-être un succès. Il y a tellement de nuances possibles. Je regarde ça de ton côté, va voir ce que tu peux trouver d'autre. Ok. Donc il se passe des choses quand même. Et là, j'étais persuadé que la dernière fois, il y en avait un soulevé ici. T'as dit des bêtises, mais j'étais persuadé qu'il y en avait un qui était soulevé la dernière fois. Ma foi. Ah, on va là. Oui, je vérifie s'il y en avait un qui était soulevé, parce que je pense vraiment qu'il y en avait un qui l'était. Allez, s'il te plaît. Et là, on va ici, donc on va se le noter. Attends, je vais enlever tous mes points de la map. Parce que je sais qu'il y en a un que j'avais pas réussi à enlever, celui qui est au cœur atomique là-bas. Voilà. Ok, je vais là-bas. Il est où? Ok. En fait, dès que je l'appelle, lui, le son, il commence à bugger, j'ai l'impression. Après, c'est pas grave, hein, c'est ok. Et on dirait une forêt morte un peu. Bizarre. Est-ce que j'arrive à avoir un cartographe dans le coin ? Pas de fou. Pas grand chose pour être honnête. Y'a pas grand chose qui s'affiche non plus. Alors. On voit vraiment que dalle. Cartographe là-bas. Hop là, voilà. Ça donne quoi sur la map? Oh, c'est pas si loin. Par contre, c'est très sombre. J'ai l'impression qu'il y a de la cendre un peu partout, quoi. Et attends. 10 secondes. Je vais me bloquer là? Ah tant pis. Parce que je crois que j'ai trouvé l'autre temple enfoui là. Et je l'ai vu au loin je crois, mais bon. Ah. Il vaut mieux ici. Il m'a cassé les couilles, c'était recycle. Je déteste le bruit qu'il fait, vraiment.
pas escalader ça. Fuck. J'en essaie d'escalader, mais un peu à l'arrache, hein, je sais pas où m'en tiens. Je sais pas où je vais. Ok. Ça me semble pas une mauvaise idée ce que je viens de faire. Oh waouh. Clairement un truc là-bas, j'ai l'impression. Enfin, il y a un cadavre, mais on dirait qu'il y a quelque chose dans le cadavre. Ouais, là-bas, il y a clairement les arches. Oh, non! Pourquoi? Non, ça se fout de ma gueule, ce jeu, je vous jure. Je sais pas pourquoi ça a pas voulu escalader. Ça, c'est... voilà, classique. Coffre là. Okay. Est-ce que d'ici je peux voir le truc que je voulais? Non, je le vois pas, tant pis. Et grimper tout ça. S'il te plaît, par pitié. Il aime trop me faire des feintes de grimpe celui-là. Hein. Ce jeu, je veux dire. Oh putain, c'est un observatoire ça, juste là-bas. Stylé. Non, non. J'ai eu trop peur. Déjà, là-bas du coup, et ça. Je l'avais bien vu là-bas. Je vois pas de truc ici, mais je pense que je vais d'abord monter. On voit. J'ai pas les 100 carrels pour acheter la carte, mais je pense que je pourrais aller vendre suffisamment de trucs. J'ai eu trop peur que ça s'accroche pas. S'il te plaît, non, non, non. Il me terrifie ce jeu quand il fait ça. Mais pourquoi il veut pas grimper? What the fuck? Parce que là je peux rien faire de... Oh, il y a un Zami là, attends. Putain, mais attends, moi je vais escalader. Moi je peux pas escalader. Attends. On va aux amis. Je les spotted. C'est-à-dire combien là? 68 68 68, c'est bien ça. Ah merde. Ça va être chiant ça. Ça aussi c'est quoi ça là-bas? Là, le plateau il a l'air intéressant aussi. Tous dans cette zone là, hein. On vérifie, oui. Non! Eh! Hey. Casser les couilles ce jeu! Ici je peux monter par contre, ok. Trop bizarre. Putain, y'a un truc échoué ici déjà. Ok. Bonjour monsieur. Ma présence surprend le cartographe et sa réaction me surprend tout autant. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais là? On ne t'a jamais appris à ne pas faire peur aux gens comme ça? Inutile de répondre, c'est évident que j'ai grimpé jusqu'ici. Je veux acheter une carte. Ok, déjà je vais vendre
13 fois 6, c'est bien. Ça donne assez d'argent, parfait. Carte, confirmée. Et ça, c'est quoi? Mais ça, c'était de la merde, en vrai, les trucs de cartographe, je crois. Maintenant. Moi, je suis ici. Il y a l'air d'avoir un truc intéressant ici, quand même. Je sais pas ce que c'est. Ici également. Moi, je suis arrivé par où? Je suis arrivé par là. Hein. Point que je peux enlever, d'ailleurs, maintenant. Et ça, du coup, ici, je crois que c'est là où c'est tout en cendres. Ici, il y a le squelette que j'ai vu. Ici, l'espèce d'observatoire. Ici, ok, ça, je vois. Ça, c'est quoi, ici? Ça aussi, d'ailleurs. Ça, c'est l'espèce de plateau, et ça doit être le gros truc qui sort du sol. Donc, ça, ici. Et pour l'instant, ça me semble pas mal. Par contre, ici, un truc craché aussi. T'as ici sûrement un Zami dans l'autre, si je dis pas de bêtises. Ça me paraissait évident. Ok. Ouh. Donc je cherche ça stratégiquement, je vais d'abord aller là-bas. Enfin, en vrai, je sais pas si c'est stratégique ou pas, mais je vais y aller en tout cas. Je pense que c'est une bonne idée. Et après, je vais sûrement direct au temple pour poser mon truc. Il faut que j'aille voir l'AE Forge Masque aussi. Rejoins pas du coup? S'il est en train de se déplacer. Je le vois sur la boussole en train de se déplacer. Il arrive. Par où je sais pas, mais il arrive. Je continue d'avancer du coup. Il a plus l'air d'avancer. Merde, bon. Oh, il avance plus ce con, pourquoi il vient pas? C'est vraiment de la merde. Est-ce que je suis trop haut et qu'il peut pas avancer? Ah oui, c'est bloqué ce con, je crois. Oh, il est pas bloqué, si? Oh mon con. Ma foi. Continuons. J'ai le dos éclaté. Je suis très mal posé. Ça fait plusieurs jours que je fais n'importe avec mon dos. Enfin, que je... Comment dire? Que je fais n'importe avec mon dos, on va dire, juste. Hein. Genre à faire du ménage, à faire de la vaisselle, tout ça. Oh, debout, c'est horrible. Oh, il y a un truc, là, non? Ah non, c'est juste une construction de pierre. Enfin, une construction, une formation pierreuse. Ah oui, c'est ça. Ok. Je pense que je vais aller à l'observatoire après, hein, c'est pas loin, ça. Enfin, je dis observatoire, je sais pas ce que c'est, mais ça ressemble à un observatoire. Aïe aïe aïe. Pas mal. Attention, on va essayer de faire un truc cool. Cool, annulé, j'ai pas réussi. Désolé tout le monde.
Oula, s'il te plaît. S'il te plaît, merci. Allez. J'attends que ça charge et c'est bon. Oula. Pas pourquoi ça disparaît comme ça. Trop bizarre. J'espère qu'il y a un truc cool en plus du Zami. Parce que tout à l'heure on a mis un gros coffre. Ça. Un gros coffre avec un truc un peu stylé. Enfin une teinture. Et j'aime bien les teintures. Hélas. C'est combien de Zami ça? 70, parfait. Ok. C'est le dernier. C'est le dernier anneau. Ici, on peut pas se TP sur ces trucs-là, on est d'accord, je suis loin. Il est là. Non, on peut pas s'y TP. Du coup, je vais d'abord me rendre ici, et après, je me TP au... au temple mystérieux. Comme ça, j'ai le TP de... du truc là-bas. De... Merde, comment on appelle ça? J'ai déjà oublié. L'observatoire. Il vient jamais ce truc hein. Jure, il sert à rien, hein. Sert à rien de l'appeler. Hein. Voilà donc juste je débloque le TP observatoire. Et je vais au temple mystérieux finir tout ça. Personne. Je pensais qu'il y aurait quelqu'un vu qu'il y avait la petite camionnette, enfin camionnette, caravane. À la fois. Grande horloge. J'ai le TP du coup. J'ai le TP, ok. Le temple est là. Hâte de voir ce que ça fait de, d'avoir tous les anneaux là. Malin. Il est sombre là, on est en pleine nuit. Je crois qu'on peut voir là. Ouais, 4h du mat, ok. Qu'est-ce qu'il me dit? Magnifique, excellent. Pareil, il me dit la même chose que tout à l'heure, ok. Évidemment que je le pose, évidemment. Avec un nouveau logo. Tu me sauves la vie, Sable, grâce à toi j'ai enfin toutes les inscriptions. Les deux premières semblent être des instructions pour construire quelque chose. Mais c'est la troisième qui est la plus intéressante. Je lui demande ce qu'elle veut dire par là au juste. C'est ce qui explique le quoi et pourquoi. Autrement dit, ce que nous construisons et pour quelles raisons. C'est un genre de chasse au trésor, on dirait bien, sauf qu'il faut créer soi-même le trésor. Une partie du jeu consiste donc à résoudre la troisième énigme. Je pense donc que ton travail est terminé et que le mien commence. Laisse-moi juste quelques jours, Sable. Je ne devrais pas avoir besoin de plus. Je dis à Fir que je suis impatient de voir ce qu'elle découvrira. Et nous lui disons au revoir. Quelques jours. Ah putain ça. Je suis trop deg. Je voulais savoir moi. J'espère que les jours passent vite in-game. J'espère que c'est le jour in-game d'ailleurs, ça serait con que ce soit des jours IRL, parce que là je compte finir le jeu ce soir en fait, je vais pas mentir. Enfin j'espère pour le finir ce soir. Mais je semble bien, bien parti normalement. C'est beau ici quand même hein. J'imagine que j'ai trouvé des gens à l'intérieur.
l'instant, apparemment. Est-ce que ça bouge? Non, ça bouge même pas. Je me suis dit peut-être ça pourrait donner l'heure vite fait ou quoi, mais non. Je suis raté. J'ai oublié de sauter avant de descendre. Oups. On peut d'avancer juste, on va pas se casser la tête. C'est immense ici. C'est que je sais pas s'il y a quelque chose à y faire. Il y a un Zami juste en dessous, c'est évident. Même pas. Alors là. Oh. Oh, c'est beau ça. Je sais pas ce que ça veut dire par contre, mais c'est très beau. J'ai vu des endroits aller dans les étages un peu. Hein. Vas-y. On va essayer de faire ça. En vrai, là, je parle doucement parce qu'il y a Nelly qui dort. Hein, donc, j'espère qu'on m'entend correctement. C'est ça le truc aussi. Si on monta pas correctement, on montait le son. Non, je rigole en vrai, mais... Ah, là, il y a un truc. Oh, il y a un gros visage aussi. C'était mon casque, hein, le bruit, je sais pas si vous avez entendu, vous. Ok, donc il y a des trucs à faire ici. Mais quoi? Ah! C'est des masques? Oh, what the fuck? Ok. Qui se passe des trucs? Une lueur brille quelque part derrière mes yeux et une bribe de connaissances se forme dans mon esprit. La pierre du soleil se manifeste quand la machine est en place. La machinerie est en place. Quand le soleil crée des ombres, offre la pierre. Non, offre à la pierre la réponse qu'elle recherche. Quoi ? Comment ça ? Je vois pas à quoi sert d'appuyer en fait, j'ai pas compris. Y'a quelque chose qui fait du bruit mais je vois pas où. En dessous. Et bah c'est en dessous. Je vais remonter parce qu'il y a d'autres trucs comme ça en haut. Est-ce que je dois essayer d'avancer en marchant sur les trucs? Je sais pas. Ça me paraît bizarre à faire mais... Non. Oula. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Je sais pas ce que je fous. Ok. Whip. Je vais voir si ce qui se passe quand je vais sur un autre. Genre si je vais suivre en face là-bas. Qu'est-ce qui se passe? J'avais pas vu le trou, j'étais trop concentré ailleurs. Ah! What the fuck? Non, ça a déplacé le truc en bas là. Plus rien. Ah, je comprenais déjà pas beaucoup à la base. Attends, je vais continuer vite fait. J'ai regardé les autres trucs encore, hein, mais... Je suis vraiment perdu.
J'aime bien quand les jeux me collent un peu comme ça. Et là aussi, c'est un truc pareil. Ok, faudrait que je relise ce que ça me disait. Ça, ça va tourner le grand truc, j'imagine. C'est bien ça. Et là, il y a le troisième truc qui s'allumait. Ah. Pas vous mentir, je sais pas ce que je branle. La musique est stylée par contre. Ça. Ça, on peut pas le retirer, ça. J'aligne toutes les tous les trucs ici là, je sais pas. Attends, on va courir. Où je vais pas atteindre là. C'est pas grave, de toute façon j'ai l'escalier juste ici, c'est ok. Là, je viens de voir qu'il y a une tente. Ok. Je vais essayer de relire ce que ça me disait. Une lueur brille quelque part derrière mes yeux et une bribe. Ok. La pierre du soleil se manifeste quand la machinerie est en place. Quand le soleil crée des ombres, offre la pierre. Non, offre à la pierre la réponse qu'elle cherche. Aucune idée. Juste prendre le dernier truc et essayer de tout aligner. On va voir s'il se passe quelque chose. J'ai perdu toute ma vitesse. Ah merde, non. Hein ? Le truc, il a encore avancé. Hein. D'aligner là. J'ai pas à mentir, je sais pas. Ah! Non, ok, c'est bon, j'ai compris. Je suis juste un bouffe. Je suis vraiment juste un bouffe. Ok, oui, non, ok. Bien que ça paraisse évident. Faut mettre les boules dans les anneaux, quoi. C'est... oui. En fait, fallait tout aligner, mais de l'autre côté, c'est tout. Ah, putain. Ok. Attends, ça, je t'ai passé par... par le milieu pour y arriver plus facilement, ouais. Oula, oula. Hélas. Oh, si, let's go. Non. Je te hais, sable, je te hais, je te jure. Je te jure. Non. Ah, en plus, il y a un petit rebord. Non, ça devrait aller. Ça devrait aller par là. Oh non. Par là, c'est ok, non? Oui. Let's go. Ok, là, ça devrait être bon. Pourquoi, je ne sais pas.
Ok. Puis-je bouger, s'il vous plaît? Puis-je faire quelque chose? Pardon. Pardon. J'imagine que je le mets dans la dernière, là. De toute façon, j'ai pas le choix, j'ai l'impression. Dire un TARDIS vite fait. Résoudre l'énigme de la grande horloge. Non, bah non, remets-la. Ah. Oh. C'est beau ça. Devant toi, oula, attends. Devant toi, un genre de projection devant moi, un genre de projection apparaît comme par magie et dans sa géométrie flottant au-dessus du sol, je vois les lumières qui brillent dans le ciel nocturne. Je vois d'où nous venons. Alors que je me concentre sur chaque élément de cette complexe visualisation, je réalise qu'un certain savoir m'est transmis et que je comprends des choses. Ces connaissances semblent à la fois nouvelles et innées, comme si quelque chose me rappelait que je savais. Comme si quelque chose me rappelait ce que je savais déjà et que j'avais oublié. J'ai décidé de me concentrer sur... Ah putain, il y a tellement de trucs. On va prendre du lore et on va manger le lore, ça vous va? Le soleil. Je vois clairement le gros torbe brillant au centre du spectacle. Que le gros torbe brillant, notre soleil. Il est si brillant que je ne peux pas le regarder en face sans ressentir une intense chaleur à l'intérieur de mon crâne. Des corsets tournent autour dans une danse permanente. Je décide de me concentrer sur la petite planète proche du Soleil. Amy et ses deux lunes tournent autour du Soleil tout près, tels des papillons courtisant une flamme. Émis, la déesse à tête de chèvre, divinité gardienne des Ibixis. Les histoires évoquant sa sagesse et sa détermination sont celles que je préférais étant petite. Elles me semblaient plus accessibles que les autres dieux. Mes mentors disaient que c'était vers elles qu'on se tournait quand Roana était trop préoccupée pour nous entendre. J'aimais me la représenter sur la falaise, surplombant l'aiguillère, contemplant le monde avec sagesse. Mes professeurs m'expliquaient également que, grâce à certains masques, il était possible de voir l'ombre d'Émis en regardant le soleil. Ok. Je me concentre sur la deuxième planète. La deuxième planète, Midène, est la nôtre. Une sphère de sable et de rocaille sans rien de spécial, réchauffée par la puissante énergie de la perpétualité. En la voyant ainsi, je vois aussi un autre aspect de la perpétualité et je ne peux m'empêcher de remarquer que nous semblons pris au piège sur notre planète. Je me sens soudain glacé, mais je me réchauffe vite en me ravisant. Non, Midène ne nous retient pas prisonniers, elle nous protège. Midène, ça va être celle avec l'espèce de grosse atmosphère autour là. Cette idée me permet de ressentir un certain réconfort. Je me décide de me concentrer sur une forme inconnue, ça va être le triangle là. Je contemple une forme que j'ai bien du mal à décrire. Sa géométrie est pure et étrange à la fois, tellement bizarre qu'elle ne peut pas être organique. Je comprends immédiatement de quoi il s'agit, l'abîme. La chose impossible qui a donné naissance à la baleine. Grâce aux histoires que j'ai entendues et au savoir qui continue de se réveiller en moi, je sais qu'elle a été créée par des êtres vivants, des créatures douées de conscience, ayant des projets et des intentions. Mais même si je connais cette chose, je suis incapable de l'appréhender. Elle est si massive, si impressionnante, que même s'il ne s'agit que d'une réplique, je n'arrive pas à la regarder plus de quelques instants. Quelque chose en moi n'a que mépris pour elle, même si j'ignore pourquoi. Mais c'est vrai que c'est immense, hein, si tu dis que ça a la taille d'une planète, c'est immense. Je me concentre donc sur l'anneau scintillant, ça va être là où il y a les étoiles dessus, là. Aiolion, un anneau scintillant de poussière dorée, ses particules semblent flotter au gré d'une douce brise traversant le firmament. Ce sont celles qui celles qui constituent les étoiles. Ok, je me concentre sur la planète avec les anneaux. Donc deux anneaux seulement, c'est trop bizarre. Carab et ses ailes. Lorsque je me la représente, la planète dotée d'anneaux est intégralement peuplée de scarabées vivant au sein d'une société extrêmement évoluée. Ce serait l'endroit rêvé pour Saïma,
mais pour moi, pas vraiment. Waouh. En plus, elle a l'air beaucoup plus grosse que les autres planètes. Cela ferait beaucoup de scarabées. Je me concentre sur les planètes jumelles. Les planètes jumelles, corail et cobalt. Il semble y avoir de petites lunes entraînées dans leur sillage. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des lunes. Elles traversent le firmament d'une manière si hypnotique que j'ai du mal à détourner le regard. Les deux poissons, comme on les appelle, sont les plus malicieux des dieux. Je me souviens des légendes dans lesquelles ils se déguisent en enfants pour attirer les nomades et les noyer dans le courant des dunes. What the fuck? Les Ibexi racontent ces histoires effrayantes pour empêcher les enfants trop intrépides de s'aventurer loin de chez eux. Du coup, on peut presque s'étonner que nos parents nous laissent partir en cas initiatique, je te jure. Une partie de moi regrette que les poissons me soient revenus en mémoire. Je risque d'avoir du mal à ne pas me méfier des enfants errants que je croiserai maintenant. Et j'ai fini là, hein. C'est vraiment juste pour du lore que je suis ici. Ah non, il y a un coffre, merci quand même. Pantalon de machiniste. J'avais pas le pantalon de machiniste, c'est pas ce que j'avais depuis le début. Je suis très étonné, je pensais vraiment que c'était le pantalon de machiniste que j'avais. Ok. Eh bien c'est bien stylé tout ça. J'ai mangé mon lore, je suis content, j'adore le lore. Ok. Maintenant. Déjà, je peux enlever ce repère. Ça, on est bon. Je vais aller ici. Hein. Je vais pas me casser la tête, je vais pas vous mentir. Je vais tricher un peu. Je me TP ici, juste devant l'entrée. Ouais, j'ai la flemme de faire le trajet, de récupérer mon truc. Voilà. Bien tenté. Là, je dis que j'allais au orange. L'orange, c'est le plateau qu'il y a là. Il faut que je trouve aussi un de forge masque. À voir si j'en trouve, mais bon, faut le trouver. Je sais pas si on peut vraiment monter sur le plateau là. Hein. Ça m'a l'air compliqué. Attends, on va tenter un truc. Non, raté. J'ai vraiment essayé de me projeter avec le truc, mais ça n'a pas marché. Tu te fous de ma gueule là. Je pense pas que je puisse y arriver en haut là. Je pense que j'ai clairement pas assez d'endurance pour rêver tout en haut. On va voir, mais ça me paraît compromis. Je commence à avoir hyper chaud, je sais pas pourquoi, il est quelle heure là? 1h25, il fait pas chaud à 1h25. Ouais, non, pas assez d'endurance. Tant pis. En vrai, je sais pas s'il y a vraiment un truc intéressant ici, hein, mais vu la gueule du truc, ça me paraît probable quand même. On va aller voir ça du coup. Que c'est ce truc qui sortait du sol là? Verre pétrifié. D'accord. Et bien on va escalader tout ça. Hein. On va devoir faire ça étape par étape, mais on va l'escalader le con. Il y a certainement un truc dedans, ou... enfin dedans, en haut, ou sur les pattes. Je serais pas étonné non plus qu'il y ait un truc sur les pattes. Genre au fur et à mesure que je monte.
Ça va être chiant. Hein. Oula. Ah merde. Je peux pas grimper ça. Je peux pas, j'ai la mort. Ok, bon bah on va forcer hein. On peut juste monter du plus qu'on peut à chaque fois et se reposer sur un pied. Genre là faut se reposer sur le pied. Y'a rien, hein. Non y'a rien dessus. Ah j'aurais pensé pouvoir le choper, tu vois. Non vraiment pas possible, sérieux. Ah. Je suis content quand j'arrive à faire un truc comme ça. Non là ça serait trop. Chelou la musique un peu mais ok. Ma foi. Je sais pas si je vais attendre. Ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Ça va le faire. Je commence à en douter, hein, mais ça va, on y arrive. Lentement, mais sûrement. Et durement aussi, putain. Mais comment un ver il se pétrifie comme ça en pleine... Non! J'ai eu trop peur, j'ai vraiment cru que j'allais tomber tout en bas. Non. Y'a pas que des oiseaux quand même, on monte pas pour rien. Tu vas pas me dire qu'il y a que dalle. Non, il y a un Zami tout le temps. Je pensais au moins qu'il y aurait genre une quête ou quelque chose, tu vois. Je sais pas. Non, en vrai, je sais pas pourquoi une quête, mais oui. Ah tiens, mais c'est bon, sable, s'il te plaît. Un peu de sérieux. Il y a peut-être un succès lié à ça, vu que ça a l'air d'être l'endroit le plus haut du jeu aussi. Même pas de succès. Oh, par contre, là-bas, il y a des trucs. Et derrière, il y a un... Oh, en fait, on voit tout d'ici. Ça, j'ai pas mis de point, mais je sais pas ce que c'est. Donc là, j'ai mis un point rouge ici. Ah ouais. Ok. Bon, en fait, j'aimerais bien aller là-bas, ici, là. L'oreille qui gratte. J'aimerais bien aller dans le truc là-bas, mais c'est vachement loin. Ok, bah tout ça pour ça, donc. Attends. Je vais regarder vite fait les succès. Les succès du jeu. Comment on regarde les succès du jeu en cours? Succès, là. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un succès en mode tombé du haut du point le plus haut du jeu, un truc dans le genre. Voilà. Non. Je regarde tous les succès, hein, juste. Et... J'ai pas l'impression qu'il y ait ça. Ah, il y a un succès caché. Écoute, je sais pas. S'il y a un succès caché, peut-être que je vais sauter d'ici. On verra si ça fait quelque chose. Ah putain, là-bas il y a un coffre.
Si je dis pas de bêtises, j'ai l'impression. Ah, mais moi je veux juste sauter là maintenant. Tant pis pour le coffre. Alors, ce qui se passe si je saute de tout là-haut. Eh bien, il n'y a pas de succès. Bon, c'est un peu dommage, je vais pas vous mentir. Et mon truc il sert à que dalle, hein, vraiment. L'air aussi que ça a chier. Ok, on va aller au bleu. Et donc ça devrait être le dernier enregistrement de Sarine, hein, si je dis pas de bêtises. Et après je peux retourner à la baleine récupérer le l'aérocycle je pense. Ah putain mais il y a plein d'os ici. Ça c'est Brunswick quelque chose qui s'appelle. Allez. Centre de Brunswick. Non, ah. Attends, je regarde s'il n'y a pas d'autres amis là-dedans. Non. Mais j'ai vu un ami juste là-bas. La luminosité elle baisse d'un coup. Mais. Qu'est-ce que c'est mieux? Genre, les couleurs sont tellement plus jolies. Non, j'ai raté. Un tout petit peu deck quand même d'avoir raté ça, je vais pas vous mentir. Oh, il y a de la ferraille. Je dis ça comme si c'était un truc de fou, mais c'est bien quoi. C'est bien d'en avoir. Oui, rattrape-toi, merci. Ok. On est bon. Ça en fait combien là des amis? Je n'ai besoin de 80, je rappelle. 72, il m'en manque 8 quand même. Hein. Faudra que j'aille vendre ma ferraille aussi à un moment, faut que j'y pense. Et donc ça c'est un peu la salle de l'énigme hein, au final. Alors ça, ça active ça. Et non, attends. Voilà. Ça, j'imagine que ça active ça. Oui. On va laisser faire un tour un peu plus pour s'aligner avec l'autre. Ok. Ça c'est ça, ok. Lui fait que l'aller-retour. Je sais pas. Lui il est. Il y a vraiment les sons qui rament, c'est horrible. Ok, mais là je me suis juste débloqué le chemin jusqu'à ça, quoi, seulement. C'est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant pour aller là-bas, quoi. Ok. Cool. L'idéal serait d'avoir celui-là qui tourne. Hein. Bon, c'est ça le setup le mieux.
Non, j'ai raté ça, dommage. On va voir. Hein. Je sais pas si c'était le mieux, mais ça fonctionne en tout cas. Parfait. Ouvrir la porte du centre du Brunswick. As-tu de la ferraille quelque part, mon petit pote? Pour l'impression. J'ai rien dit. Ok, donc. Ton accréditation de sécurité a augmenté. Sable, merci de rejoindre la balade pour authentification. Tu as des messages non lus. Voici tes messages non lus. En réponse 6, le texte de l'écran à l'écran demeure un mystère, mais cette fois je le regarde à peine. Tant pis si je ne le comprends pas, mais je veux l'entendre. Je veux entendre d'autres enregistrements. Cette fois, le capitaine Singh a une voix différente. Aurait-il vieilli entre temps? Fonctionne depuis 15 années locales, soit une vingtaine d'années terrestres. Les niveaux de radiation seront bientôt critiques et ils ne cessent d'augmenter. Si l'on rajoute l'absence d'air respirable, même les descendants de nos enfants auront besoin de combinaisons, ne serait-ce que pour se rendre d'un vaisseau à l'autre. Deacon a fini par mourir la semaine dernière de vieillesse. Ça devait bien finir par arriver. Il faut reconnaître que jusqu'au bout, il est resté persuadé que nous serions secourus. C'est stupide, bien sûr, même si les vaisseaux de secours étaient en orbite autour de la planète, ils n'auraient aucun moyen de nous rejoindre. Ce truc dans l'atmosphère, qui peut savoir ce que c'est? Singh s'interrompt quelques instants, puis pousse un long soupir. Sarine, je vais couper tes fonctions principales afin de préserver l'énergie qui nous reste. Tu seras rallumé de temps en temps pour envoyer des messages, mais là, c'est une tâche pour les générations futures. De cette façon, tu devrais avoir assez d'énergie pour tenir plusieurs centaines d'années locales, voire plus si nos descendants arrivent à comprendre comment tu fonctionnes. La pause qui s'ensuit est si longue que je pense un instant que l'enregistrement est terminé, mais... Je suis désolé que les choses se finissent ainsi. J'espérais mieux pour nous que de nous retrouver piégés sur une planète qui cherche activement à nous tuer tout en refusant de nous laisser partir. Peut-être parviendras-tu à comprendre un jour, mais si quelqu'un te demande dans un lointain avenir, dis bien que j'ai fait de mon mieux. Et maintenant, je dois aller m'occuper des miens. Pour ce que cela vaut, monsieur, j'aime beaucoup les masques. Singh part d'un petit rire triste. Merci Sarine, merci d'avoir été là. Adieu. L'enregistrement s'achève brusquement et je ne peux m'empêcher de me demander ce qui s'est passé ensuite. Je m'accorde une petite minute pour reprendre mes esprits, après quoi je dis moi aussi adieu capitaine. Tu n'as pas de message. Ok. Je vais aller à la baleine maintenant, on va pas se casser la tête. C'était quoi ça déjà, le gros truc rouge ici, c'était quoi? Plateau de cristal. Ah oui, c'est vrai. Je me souvenais plus. Ok. J'espère que j'ai pas tout à refaire, hein, parce que je veux juste récupérer mon aérocycle, s'il vous plaît. Je crois que c'est ça qu'il y a là-bas. Est-ce que c'est long? Ah, il va pas falloir tout se refaire. Alors je pense que comme j'ai tout ouvert, je vais pas devoir le faire. Le seul problème c'est que je sais plus où c'était l'entrée. C'était pas vers là-bas. Oula, aïe aïe aïe. Je sais pas si c'est parce que je stream que les performances sont si basses sur ce jeu. Quoi qu'après je stream d'autres jeux, il n'y a pas de problème quoi. Genre Assassin's Creed il rame pas. Pourquoi Sable ramerait quoi? C'est pas... Voilà quoi. C'est pas graphiquement dingue. C'est très beau. Hein. Mais normalement ça demande pas beaucoup. Dis-moi que c'est le bon endroit, s'il te plaît. Suspense. Les gongues. Dis bonjour à Sarine. Historien, animatrice, termine la quête reconnexion historique. Super.
Tu as récupéré des données provenant des 6 vaisseaux de la planète Persistable, je commence à comprendre. Sa ruine s'interrompt, son ton de voix tressant le doute qu'il habite. Ton accréditation de sécurité est désormais totale, Sable. Tu bénéficies dorénavant d'un accès total à tout ce que la baleine a à offrir. Un petit aérocycle. Bien qu'il soit ancien, l'aérocycle que je vois dans cette salle a l'air neuf et rutilant. Je demande à Sarine s'il est vraiment pour moi. Oui, Sable, plus rien ne m'empêche de te conférer un accès total à la baleine, je t'en prie. Ce moyen de transport est pour toi. Je réponds à Sarine que je m'en servirai pour venir lui rendre visite aussi souvent que je pourrai. Je dis au revoir à Sarine. Les gong. R aussi, oui. Je vais m'empresser d'aller voir un machiniste. Tu sais quoi, je vais ici, comme ça je vends ma ferraille au passage. Parce que c'est bien lui qui vend la ferraille, hein. Enfin qui achète la ferraille. D'ailleurs, j'en ai combien de ferraille pendant que j'y suis. Faut que ça rame, sa mère. Enquête 67. Oh, il va mettre bien le bourreau. Que puis-je pour toi, tu sais. Ah, ça baisse mon accélération quand même, hein. Mais ça augmente ma vitesse max, ok. Là, ça augmente ma vitesse max, et ça aussi. Ah, là, c'est la couleur, ok, merde. Ça, c'est pas très beau. Ah, pourquoi ça remonte en haut comme ça, là? Mais c'est trop mal fait, leur truc. C'est quoi cette liste de cons qui remonte à chaque fois? JJPP là. C'est trop con. Oh, j'aime bien ça. Enfin, ça n'a pas l'air mal. Pas dégueu non plus. Après, peut-être que je reste avec ça. Ou peut-être que je reprends les couleurs un peu drôles. Enfin, drôle, on se comprend. Je sais plus où elles sont d'ailleurs. Elles sont là. Je vais reprendre ça. J'aimais bien moi ça en vrai. Ah, c'est trop con comment c'est fait, sérieux. Par contre, du coup, c'est celui qui va le plus vite. Mais niveau manœuvrabilité, accélération, c'est un peu moins bien. Allez. C'est trop chiant de devoir faire ça. Ok, merci mon pote. Oh putain. J'aurais peut-être dû rester dedans, je crois qu'il y a un succès lié à ça. Oh, combien de temps tu restes en l'air avec l'aérocycle. C'est bon, toi, ça va te suffire, là? Ça va finir la quête, un peu? Alkin daigne à peine me regarder. Je t'ai entendu arriver. Ah, le doubouille de la ferraille. Oh, 1005. Alkin relie la ferraille au travers de son masque et au ton de sa voix, je le devine favorablement impressionné. Pas mal, ça. Pas mal du tout. Ah, un signe encore. Et sort deux insignes. Et en plus, ils sont propres, cette fois. C'est bien pour ça que t'es là, non? Réponds que je suis venu apporter de la ferraille, mais que les insignes, c'est un bonus non négligeable. Ton étude me plaît, et si la récolte de ferraille, c'est un travail, alors les insignes sont au cahier de mots déjà. Chouette. Inutile, du moins seul. Mais tout comme la ferraille, pour peu qu'on en ait suffisamment, on peut les fondre pour obtenir quelque chose qui peut au contraire bien servir à masque. Tu ferais une bonne apprentie fouillée paf, tu sais. Mais bien sûr, il faudrait que tu trouves quelqu'un qui accepte de te prendre sous ton aile. Il éclate de rire, rassure-toi, je plaisante, tu es doué. Je me ferai un plaisir de te prendre dans mon équipe un de ces jours. La clé est un signe qui me tend et je le remercie tant et plus. Ce qu'il doit profondément détester. On ne va pas verser une petite larme pour ça, hein. L'instant n'a rien de solennel. Et si tu as encore de la ferraille à vendre, tu sais où me trouver. A bientôt, Sable. Je dis au revoir, Altine. Je peux pas aller derrière, toujours pas. Dommage, mais au moins la quête est finie. Est-ce qu'il y a un forge-masque ici?
serait cool qu'il y en ait. Comme ça, je fais mes deux masques là. Oula. Aïe. Oh. Oh, il s'est bien caché lui. Je l'avais jamais vu. C'est pas un truc de forge masque ça là-haut ? Des messages ? Ok, ça va, parfait. En fait, le truc de messagerie, là, il te sert juste à te prévenir que tu peux rentrer, que tu peux finir ta quête, ça me fume. Alors. Tout sauf agréable, obtenir le masque d'alpiniste. Ayant engagé la personne avec le forge masque, je lui montre mes insignes d'alpiniste. Ça, c'est le masque de lézard, si j'ai pas de conneries. On peut pas passer la cinématique, c'est un peu dommage parce que c'est toujours la même. C'est quand même la troisième fois que je la vois là. Et là, tu vois, normalement, là, elle va se retourner, Sable, mais elle aura pas le masque. Et je trouve ça un peu con. Parce que ça sert à rien, sinon. Enfin, faudrait l'équiper. Débloquer le masque d'alpiniste. Parce que ça donne un peu une impression de gros reveal, mais il se passe rien. Alors, rapidement mon téléphone en tant que ça se passe, hein, il n'y a pas grand chose. Hop hop hop. C'est long. J'aime bien râler aussi, vous le savez que j'aime bien râler. Par contre c'est trop bizarre hein, les forges masques. J'arrive pas à comprendre ce que c'est comme personne. Hein. Oh, trop bizarre. Sa mère. Allez, 1h50 du mat, commence à être fatigué là. Alors. Et succès, masque de machin. Alors, à quoi ils ressemblent ces masques-là, là ? Yépave. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas vraiment envie de masque de fouille paille depuis. Et celui-là, ok. Ah non, leurs menus sont vraiment à chier, c'est quoi tout ça là? C'est trop bizarre comment ça fait. Et donc ça, c'est le bas de ma... Non, prêtre de la tome et machiniste, c'est pas la même chose apparemment. Ah oui, le bas de machiniste, il est trop moche. Le bas de prêtre de la tombe, je l'aime bien par contre. Ok. Ma foi. Ah, on commence à vider les quêtes, hein. Faudrait que j'aille retourner voir Fier aussi un moment, du coup. En vrai, ça va faire quelques jours là déjà. On va voir si on peut aller le voir. C'était où ces temples mystérieux? Après, il va falloir que j'aille aux toilettes rapidement et je reviens. Et j'ai vraiment envie de finir le jeu. Je sais que ça fait déjà 2h30 que j'y suis. Mais je pense que je suis bientôt fini, quoi. Enfin, je trouverais ça con de couper le stream et de comment reprendre plus tard. Et que je le finisse en 30 minutes. Il est pas là? Ah, il a son truc là-bas, ok.
Alors, des nouvelles. Je travaille encore, reviens plus tard. Ok. Je vais prendre une pause de 2 secondes pour aller au WC. Je reviens de suite. Je vous laisse évidemment en musique, vous le savez. À de suite. Très bonne musique en plus, Fairy Fountains. Mais en fait, vous savez quoi, j'étais aux toilettes et j'étais vraiment sur le point de m'endormir aux toilettes. Du coup, on va arrêter là pour ce soir. En vrai, c'est dommage parce que je sais que j'ai bientôt fini. Mais écoute, tant pis, la prochaine fois, ce sera de court et on enchaînera sûrement sur Assassin's Creed juste après. Ou peut-être à voir si c'est plus long, je sais pas si, comment ça se passe la fin. Mais on verra ça la prochaine fois. En attendant, moi, je vous souhaite du coup une bonne soirée. On est quel jour? On est mardi, bonne fin de semaine. On est mercredi même techniquement. Bref, bon ce que vous voulez. C'est tout. C'est une fin de stream. Au revoir et passez une bonne ce que j'ai dit. Voilà, comme vous voulez.